Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes, fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Lecture du premier livre des Chroniques. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Et dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous du milieu des nations. Alors, nous célébrerons ton nom, Saint. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dit, Amen et loué le Seigneur. Parole du Seigneur. Oh,
Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : Jésus, maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face en terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant : Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il s'est trouvé parmi eux que ces étrangers revenir sur ses pas et en gloire à Dieu. Jésus lui dit : Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Je souffrais d'être loin de mon pays. Je sais ce qu'on descend.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, accepte le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui pour nous avoir tenu loin des épreuves par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de retrouver ta gloire dans le triomphe de tes yeux et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton œuvre servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adore ta voix, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
nous ayons part à la vie éternelle. Que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur de te promettre et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la. Bénédicte parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils. Et tu nous as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Thank you.
grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci.